Agrégation, aide à la vente, reporting client, conformité. Fundy, la multigestion déléguée pour vos contrats d'assurance vie, vous présente Perspective. Bonjour, je suis Emmanuel Petit et je vais vous présenter mes perspectives. Donc, quand j'étais enfant, je me souviens de deux envies que j'avais. La première, c'était d'être pilote de chasse. La deuxième, d'être médecin. Pilote de chasse, c'est que c'est un métier qui demande beaucoup de responsabilités, beaucoup de concentration. Et effectivement, quand on est gérant, il faut garder la tête froide. Une journée qui m'a marqué, c'est le 9 mars 2009. C'était le point bas des marchés après la faillite de Lehman. Et c'était le jour, avec un timing excellent, où on a lancé Eurocrédit. Crédit. C'est pour ça que j'ai envie de dire que ce fonds est né sous une bonne étoile. Et remplir un fonds le 9 mars 2009, quand à peu près tout le marché est vendeur, c'est quand même un régal. Eurocrédit, on veut le positionner comme un fonds obligataire qui s'adapte aux différentes conditions de marché. Donc le positionnement du fonds, il est très flexible. Dans la philosophie de gestion, on essaie d'être toujours une vue fondamentale, à la fois sur des éléments top-down qui nous permettent de gérer le curseur de taux, mais aussi sur des éléments bottom-up, donc choisir les entreprises et les émissions. Non, le métier obligataire, c'est un métier qui est assez ingrat dans le sens où on gagne souvent un petit peu, mais quand on perd, ça coûte. Donc il faut être très discipliné en termes de gestion des risques. La première règle, c'est avoir une grande diversification des expositions spécifiques. Donc ensuite, une règle, c'est effectivement de ne pas être suiveur, suivre le marché. Plutôt être en face, quand le marché est acheteur, plutôt se réduire le risque du portefeuille. Et par contre, garder la tête froide, être là, avoir la main ferme quand le marché est vendeur. Quand on est gérant obligataire, on ne peut pas s'empêcher de citer Bill Gross. Il a été certainement le plus gros gérant du monde, hein, après avoir monté PIMCO, un fonds qui faisait pas loin de 300 milliards de dollars. Donc c'est quand même... conséquent. La deuxième chose, c'est que c'est quand même un gars qui, après avoir envoyé un tweet sur The Short of a Lifetime concernant le Bund allemand, à la suite de ce tweet, le Bund a pris 100 points de base. Même Trump, hein, qui envoie des tweets régulièrement, je ne suis pas sûr qu'il ait déjà eu cet impact-là sur les marchés financiers. Donc je mettrais plutôt un ticket sur Liikanen, le patron de la banque centrale finlandaise, moins connu, mais était pour le quantitative easing et je pense serait mieux perçu par les marchés. Donc on a une politique extrêmement accommodante qui n'est plus justifiée. Aujourd'hui, les fondamentaux sont relativement sains. Il n'y a pas de dégradation particulière de la solvabilité des entreprises. Les niveaux d'endettement sont sains, notamment en Europe. Plutôt sur encore un trend baissier. Et il y a même des secteurs que l'on affectionne particulièrement qui, selon nous, ont aujourd'hui tous les feux au vert, c'est notamment les financières et les bancaires en particulier. La classe d'actifs crédit, elle est compliquée aujourd'hui. On a des rendements qui sont beaucoup plus faibles et on a un risque de hausse de taux. Donc c'est sûr que les performances qu'on a fait dans le passé seront plus difficiles à réaliser. On va se contenter de moins. Mais ce que l'on va surtout s'efforcer de faire, c'est d'accompagner cette hausse de taux. Cette hausse de taux créera des périodes de volatilité. Et là, il faudra être présent, il faudra saisir les opportunités qui se présenteront pour recharger le fonds en rendement. J'aurais envie d'apprendre beaucoup de choses aujourd'hui, effectivement, parce que là, on va sauter dans l'inconnu. La normalisation monétaire, c'est quelque chose qu'on n'a pas connu. La réaction des marchés sera forcément imprévisible. Donc, beaucoup d'humilité, de sang-froid, garder la tête froide et la main ferme. Action. Café.
Impressionnisme. Fiat pour la 500. Ni l'un ni l'autre. Éolien. Hydrolien même. Draghi. Tesla. Pas craque.